Et salut à tous, c'est Blastrax, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Bone Work. Oui, c'est Bone Work, c'est pas Blade and Sorcery cette fois-ci. On va casser des bouches, mais pas de la même manière. Qu'est-ce que c'est ce truc? D'accord, ok, original, bon, pas grave. Bon alors ouais, vous allez me dire, il y a Bone Lab qui est sorti et tout, blablabla. Ouais, mais en fait, j'ai jamais fait Bone Work, les gars. On me l'a gracieusement offert, et j'y ai joué 2 heures. Du coup, j'ai décidé que j'allais le faire de A à Z. Avec vous, tout simplement, voilà. Et sur ce, on lance une partie. Que faut-il que je fasse? On peut attirer les objets à distance comme sur Blade. Ah oui, effectivement, j'ai vu le point. Ok, ah, c'est un peu plus rapide. Alors, recommended, incinération, indestructible. Indestructible? Ok. Ok, ah oui, d'accord, mais je sais que le mec, il a pas de force. Ok, pas mal. Ça, ça va, dans les archives. Disposal. Ça va être ça? Ok, bon, visiblement. Ok. Non, mais le personnage il a pas de force, les gars. Oh là, la muscu, mon gars, c'est pas possible. Il a du mal à lancer des objets et tout. Oh, attends, pourquoi je me dirige aussi mal? Qu'est-ce que c'est que cette. Oulala. Je pense que je vais faire des petits réglages après. Ok les gars, est-ce qu'on peut prendre... Putain, je passe à travers la table. Non, on peut pas manger les trucs. Ah, par contre on peut casser. Attends, je vais la garder avec moi si j'ai... Oh! Non, c'est pas toi que je veux, c'est lui. Par contre la physique, alors ouais, je sais que c'est un jeu qui est basé totalement sur la physique. Pour le coup c'est drôle. Alors, locomotion. Pourquoi je peux pas sauter? Bon, on va continuer. Je vais mettre ça là. Je les observer. C'est pas du tout flippant, quoi, tu sais. Oh. T'en peux pas équiper les... Ok, si on peut. Est-ce que je peux le reprendre? Merde. Alors, visiblement, j'ai rangé mon pied de biche, mais je ne peux plus le prendre. Ok, si, d'accord. Ok, c'est qu'en fait, j'utilisais pas la bonne touche. Putain, on peut attraper avec ça? D'accord, ok. La façon dont il attrape les trucs. Ah bah j'attrape plutôt avec toutes les touches. Ok bon, ça je vais le garder, je sais pas si ça sert à quelque chose. Je prends ma peluche avec. Alors qu'est-ce que... Oula. C'est quoi ça? On m'a pas dit que c'était un jeu d'horreur moi. Ok mais c'est une canette toute simple en fait, c'est ok. Tiens. Attends moi là mon copain, je vais me prendre un petit burger. Ah non c'est un donut. Pas bon pour la santé les gars. Tiens je peux me... Huche. Muscu les gars. Huche. Huche. Attends. Comme en vrai à la salle. Vous avez vu, je le fais bien. Hein. C'est normal. T'as peut-être que je peux mieux. Ça, c'était pas ça la salle. Ah non, c'est que c'est un miroir, ok. Je me disais, c'est bizarre, ça correspond pas. Tiens, voilà. Oh. Attends. Fallait vraiment que je fasse ça, non? Je pense pas. Est-ce que. Attends, la chaise, elle me gêne. Ah, c'est un QWERTY, quel dommage. Hop, l'écran, bon, il est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire de la carte mère? Bon, on va rien en faire parce qu'elle est collée au truc. J'imagine que ça, il faut le prendre. Ah, attends, il y a quelque chose. Ok, bon, il y a rien d'important, on s'en fout. Allez, hop. Est-ce que... Ouais, c'est bon, ça. Putain, un truc pour les nuls. How to make video game. Enfin, how to don't make video game. Des classeurs. Du papier. Des livres. Putain, mais c'est un mec sérieux qui bosse ici, quoi. Merde. Alors des fois j'ai pas de force, des fois j'en ai trop. On dirait l'employé de bureau les gars là, genre putain. Mec il se lève, il fait putain vas-y, vous me pétez tous les burnes. Allez vas-y c'est bon. Mon patron c'est un abruti fini, voilà ce que j'en fais de son boulot mon patron. Tiens ça dégage, tiens les dossiers là, les trucs. Je vais appeler les clients et leur avouer les arnaques moi, tu vas voir. Je vais faire couler la boîte les gars. Hop. Pas content. Limite le stress, ouais mon cul ça marche pas ça. Ah d'accord, l'imprimante elle a des pop. Bref, je garde ça. L'alter, qu'on mette des coups d'alter au cas où je me fasse agresser. Ah, quoique le marteau... Ah, attends, ouais, le marteau ça peut... C'est des boîtes de munitions ça, on est d'accord. Ok, ça sert strictement à rien. On va garder... Mais j'arrive pas à choper un marteau les gars. Ok, on va garder le marteau. Alors du coup... Est-ce qu'il y a quelque chose d'indiqué à faire? C'est quoi ce dessin? T'as un timer. Ok, mais en fait, du coup, je suis dans un autre monde bizarre. Ça m'a l'air un petit peu... chelou, tout ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est vivant, non? Ok, visiblement, c'est vivant.
Ok, c'était vivant, je crois que je l'ai tué. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Attends, oui, ça me fonce dessus. Mais c'est des ennemis, ça? Ils sont tout mignons. Ok, je peux exploser des cartons, voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Une batte. Ok, rien d'intéressant. Du coup, cette carte, elle sert à rien, j'ai l'impression, en fait. Ok, c'est pas des ennemis, ils me fuient. Je sais pas ce qu'il y a dans les poubelles, les gars, mais... C'est du costaud, ça. Ok, rien d'intéressant. Ah, quoique... Ah, 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 un petit monstre. Attends, mais faut les tuer ou faire quoi de ces trucs? Je sais pas s'il était amical, mais en tout cas, il a pris pour les autres. Tiens, allez, à son tour, à lui, là. Mais je pense que c'est de la torture, ce que je fais, là, en fait. Ok, j'ai réussi à ranger le marteau. Je vais embarquer la batte, voilà. Et reviens là, espèce d'enfoiré de petit truc qui... Oh oui, c'est ça, oui, enferme-toi avec moi. Ah non, mais c'est qu'il ouvre les portes. Attends, mais il va où? Me reviens là, bordel. Tiens. 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 Voilà, ça calme. Non mais oh. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un truc qui... Enfin oui, c'est un truc qui est court en soi, mais... Mais bref, vous avez compris. En fait, c'est un jeu d'horreur, Bone Work, les gars, je... ranger ça là, non, je suis persuadé que ça peut servir à quelque chose. Enfin, qu'est-ce que foutrait une carte comme... je sais pas, ça se trouve je la trimballe pour rien. Du coup, bon bref, moi je continue ma route. Tiens, 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 alors comme ça on essaie de se cacher. Voilà, toi t'es mort. Ou alors on est bloqué. Est-ce que je peux pas carrément, voilà, le choper. Non mais oh, ça suffit des bêtises, quand j'essaie de t'attraper, tu te laisses faire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Faut se baisser, faut carrément couper le... Ok, voilà, fallait juste couper le gaz. Je prends ça. Je récupère ma batte. Putain, je me bats à coups de batte de baseball, les gars. Ah mince! Je suis Negan. Bon, du coup, je suis foutu, il fallait... J'aurais peut-être dû aller là-bas d'abord, hein. Tant pis. Oh mince, ma batte, elle a disparu. Attends, mais qu'est-ce que... Attends, y'a pas ce truc-là qui me sert à quelque chose par hasard? Et du coup, est-ce que ça va aller avec moi? Ah, je crois que j'ai... Ça, c'est bien. Ouais, j'ai plus ce que j'avais sur moi. Ok, d'accord, ça m'a déséquipé, en fait. Le muséum des démonstrations techniques. Attends, depuis tout à l'heure, je trimballe cette carte pour rien, en fait, j'ai l'impression, les gars. Ah, on peut sauter maintenant. Ne reste pas mort. Enfin, j'ai pas envie de mourir, enfin, après voilà, je dis ça comme ça, mais enfin, moi, je croyais que c'était un jeu tout joyeux, en fait, c'est très glauque, dis donc. Alors on va où là? Ok, d'accord, donc là je ressors par la porte. C'est un tutoriel, les amis. Oh, un balai, attends. Attends, mais c'est... Les poils, ils bougent carrément. Ah ouais, ouais, je peux devenir balayeur de passion, les gars. Merde. Ah, je suis pas un bon balayeur, par contre. Hop, il y a du bordel là. Excuse-moi. Ah, voilà. Hey, le balai, ah non, je croyais que le balai était trop lourd pour notre cher petit bonhomme. Là, on a une caisse en métal de 1000 kilos, ça passe. Ok, on peut sauter là-haut. Ok, c'est un ninja. Ah. Ok, je me disais quasi orange, il y a forcément quelque chose dedans. Ok, il y a rien là non plus. Allez hop. Attends, mais c'est génial. Et voilà, je suis l'employé de bureau en colère, les gars. C'est trop bien. Allez hop, on nettoie les poubelles. Comme ça qu'on nettoie les poubelles. Faites pas comme ça, vous non plus, chez vous, là. Bon, allez, on dira que c'est propre. Ah, c'est moi. Est-ce qu'il y a mes manettes? Ah oui, c'est celle-ci. C'est mes manettes, ça, les gars. Mouvement et tout. Ah, ok, ça, c'est un tuto. Putain, la télé, elle me suit, quoi. Est-ce que je peux la faire tourner Oh merde, oh merde, je peux carré... Attends, ah oui, mais c'est que... Je suis là pour casser le jeu. Ouais, bon. Ok, la télé me suit. On va avancer, on verra bien ce que ça donne. Alors, run, double tap. Ouais, je cours pas plus vite que ce que je faisais actuellement. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ah oui, ça c'est pour se déplacer via la téléportation. Marcher discrètement, normalement, courir. Ouais, c'est vraiment un tuto. Putain, mais c'est trop bien fait, le tuto comme ça, là. C'est original. Putain, c'est moi, ça. C'est moi dans le salon avec mon casque. Bon bref,
mon salon il est quand même un peu moins vieillot que ça les gars. Par contre j'ai pas une lampe aussi grosse, hein. Moi j'ai une petite lampe. Et là actuellement il y a la queue d'un chat qui est en train de me caresser les mollets. Si vous trouvez ça intéressant. Ouais. Ah, traditionnel virtuel. Ok, ça c'est les jeux VR de base. Ok, tu passes à travers les objets. Ça c'est leur jeu, il va tout faire tomber à tous les coups. Ah là, c'est pour dire que la physique elle fonctionne, ok. Après les gars, moi je dis ça comme ça, mais dans Blade & Sorcery, la physique aussi elle fonctionne bien. Hein. Ok, on s'en fout, là-bas ils montrent qu'il y a des casques VR. Ce fut un endroit sympathique, mais je peux peut-être laisser tomber ce balai moi. Ah, jumping. Ok, petit saut, grand saut, d'accord, ok. Faut pas courir comme ça comme dans Blade, putain les habitudes elles vont être dures à perdre. Ok, d'accord, donc je saute ça. Ah, il fallait peut-être pas que... C'était quoi ce vieux bruit? C'était quoi ce truc? Je dois faire quoi là? Sauter là-dessus, atteindre le bouton, ok, d'accord. Ok, ouais. Par contre, leur bruit de victoire, il est... Ah, il me fume. Ok, bon, les sauts, je pense que j'ai compris, plus ou moins, à peu de choses près. Là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Oh, attends, l'effet en tournant la tête, c'est trop bien à voir. Attends, y'a rien devant moi, y'a pas de mur. Attends, si, y'a un mur. Du coup, on va faire avec un effet en mode... vas-y, en mode je slide le mur. C'est parti. Ah, oh, c'était beau. Bon, ouais, je sais pas, comme je suis à l'intérieur, j'ai rien vu. Mais je saute d'ici, là, je vais pas mourir. Jump, ok, d'accord. Bah, écoute, on va jumper, les gars. Ouais, visiblement, non, je suis pas mort. Ok. Ok, enfin, là, c'est très très bizarre. Pourquoi? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que... Ah ok, c'est que la corde elle m'attire en haut, c'est que ça a bugué. D'accord. Attends, ouais, du coup je vais quand même essayer de m'entraîner à ça. Non, bah ça, y a pas de problème. Quand tu joues à Blade & Sorcery, finalement, y a pas trop de problème. Grab. Thank you. Ok, ça doit être la tête du développeur. Je pense. Tout ça il va dessiner un place de left platform. Ok, donc je peux pas les prendre. Ok, donc là je peux sauvegarder. Ah, c'est un mur escaladable. Ok, oui, d'accord, ça s'escalade. Ok, bon, du coup j'ai compris ça. Enfin, mais y a pas quelque chose qui est censé tomber ou un truc comme ça là? Je sais pas. Non, bah je sais pas à quoi ça sert. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Refais-le, je veux l'entendre encore. Je vais le mettre au montage. Bon, voilà. Alors, des boules. Des bouboules. Des bouboules. Ah, des bouboules. Des bouboules. Ah, ça commence à forcer là. Des bouboules. Attends, comment ça tu... Non, mais tu vas bouger plus que ça. Moi, Attends, la boule, elle me retire là, j'arrive pas. Tiens, la bouboule. Merde, elle passe à travers. Wouah. Je m'amuse avec rien du tout en fait là. Des bouboules. Ah, c'est pour faire. En fait, c'est un petit tuto pour montrer que la physique, waouh, elle est génialissime et tout ce que tu veux. Des bouboules. Wink. Et qu'est-ce que... Putain, on dirait une photo Google Maps. Un mur. What? Attends, what? Ok, je sais ce que c'est comme effet. Putain, c'est génial. On peut mettre des petits coups de pied là pour faire un truc un peu... Ok, j'imagine que c'est pour faire une sorte de ralenti, ça. Bon, on va pas. Bon, tant pis, on va pas mettre deux. Oh là, qu'est-ce que je fais? On va reprendre un truc épique. C'est parti. Je me reprends les boules. Oh, mais les directions elles sont nulles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, ça marche. Pourquoi c'est pas comme aussi bien que dans Blade? Bon, je suis parti. Ah, je m'attendais à une entrée un peu plus fracassante. Mais tombe. C'est fou. Ok, ça tombe pas en fait. Putain, mais ça tombe pas ça à la base. C'est trop bien, je vois de la pelouse. J'adore cet effet, je trouve ça incroyable. Pink. Eh, mais c'est une vue de chez moi, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais l'endroit où j'habite, ça ressemble clairement à ça. Hein. Ah bon, c'est peut-être pas à ce point-là, mais... Eh, mais c'est trop bien, du coup, j'ai une vue en 360. Voilà, c'est un peu penché, hein. Les bottes de foin, elles commencent un peu à faire un peu la tête. Mais... Non, c'est génial, je kiffe ce truc, cet effet d'optique-là, c'est génial. Bon, arrêtons de jouer avec ce truc, et qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Joue avec les objets, d'accord, très bien. Voilà, on s'amuse, on s'éclate, et on éclate les tasses. J'ai vraiment... Voilà, ça dégage, allez hop, tiens, le ballon de basket. Y a pas un panier? Non, y'a pas de panier, c'est pas grave, du coup on va juste... Ah mais non, mais c'est qu'il y a carrément... Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que je peux l'attraper à... Ouais... Je peux aller jusqu'où comme ça là? Parce que là je vais tirer fort les gars. Je suis pas bon là, niveau placement, là pas mal. Oh frérot, c'était au milieu là. Je peux difficilement faire plus au milieu que ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave, on va retester. Bon, c'est pas mal, il en reste une mais... Pour la dernière, je vais te la fracasser à coup de tout ce que je peux. Ok, j'avais oublié que le mec il avait pas de force.
Oui, j'ai réussi. Wouh! Ça se prend ce truc? Oh ouais, stylé. Ah, il y a, on sent qu'il y a du poids, tu vois, genre, ça, je sais pas, ça pèse. Ça se, non, ça c'est, ok, ça c'est dur, ça c'est comme ça, mais c'est tout mou. Ça peut peut-être servir pour faire des marches. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est des jeux quand t'es gosse ou quand tu fais du sport au collège, tu sais, t'as les tapis comme ça colorés là. Bon, t'as un sac de boxe, les gars. Enfin, falloir que je vous montre mes talents d'ancien boxeur pro, parce que oui, j'ai pas été boxeur pro effectivement. Alors, ça va être compliqué de faire des esquives avec une manette là. Oh, y a pas de bruit d'impact. Je m'attendais à un gros. Ah si. Ok, c'est qu'il faut taper un peu pour de vrai quand même. Le uppercut de sous le sac. Uch oh, tu fais ça en vrai mon gars, tu te prends une retournée par le sac. Est-ce que je peux faire des tractions? Uch. Non, ça c'est pas les vraies tractions de bonhomme, je suis bête. Ça c'est les tractions... Ah, les vraies tractions de bonhomme, c'est avec les mains comme ça là. Uch. Je suis tellement musclé que je peux même... Uch. Voilà. Ah, je peux pas sauter par-dessus par contre, ok. Bon allez. Bon, finissons de nous amuser avec toutes ces petites bêtises. Il est temps d'aller faire du soulevé de terre. C'est exactement ce que je voulais dire, les amis. Il faut faire du soulevé de terre. Je dirais même qu'on va... Oh, reste là, reste là. Bon, allez, comme dans les compétitions. Attends, normalement, c'est même comme ça, en vrai. Voilà, ça c'est... Ça c'est de la compétition, les gars. Non, normalement, t'en chies, tu vois, t'es là en mode... Putain, je me casse les genoux. Aïe. Bon bref, mettre ça là. Il y a combien de kilos là-dessus là? Tu peux même faire comme ça en vrai pour t'entraîner un peu. Tu sais, tu te mets de côté là, tu... Putain les gars, je leur montre mes talents en musculation, c'est incroyable. Ils vont être impressionnés. Ah putain, je crois que je suis le seul qui m'impressionne. Ça c'est un peu triste. Alors, Eevee move, bouge les objets lourds doucement. Faut imaginer que je le bouge réellement pour que ce soit plus réaliste. Je vais le bouger moi, tu vas voir. C'est pas si lourd que ça ces trucs en plus. Uch. Tiens, dégage. Gros lourd. Allez hop, fais rouler ça moi. Voilà, parfait, vas-y, strike. Ah oh, c'est ridicule. Je m'attendais à un truc de malade mental, il s'est rien passé quoi. Ah oh, c'était nul. Attends, je vais essayer de déplacer les trucs. Est-ce que le bleu là, je peux prendre ici avec les autres au-dessus ou est-ce que c'est trop lourd? Oh non, j'ai une force quand même... Putain, c'est bizarre, le mec il s'est pas lancé d'objet mais il a une force colossale. Bah vas-y, tombe, fais pas ton timide, je sais pas. Voilà. Non mais oh. Allez hop. Poussez-vous, ça dégage. Tiens, toi là. Comme je le soulève là. Ah. Je voulais juste le mettre debout mais bon, visiblement c'est trop d'effort pour moi. Ça... Oh, oh, c'est lourd ça. Ça, je le sens, c'est lourd les gars. Allez, j'imagine que ça va. Sur le bouton, hein, on connaît les jeux Portal, tout ça. Putain, je m'attendais à ce que le tuto dure 5 minutes en fait. Ça va être la totalité de ma première vidéo. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Archive Room, Employee Only. Frérot, c'est d'une couleur différente. Moi, tu sais, je joue pas au jeu depuis 2 ans, je joue au jeu depuis que j'ai 2 ans, tu vois. Donc je connais, ça c'est une salle secrète. Non? Ah merde. Ah si, ça s'enfonce. Si, j'avais... c'est une salle secrète, attends. Attends, mais il faut passer dedans, il faut faire comment là? Oh, tu vas bouger. Attends, je sais comment je vais faire bouger, tu vas voir. Ok, bon, me revoilà, j'ai été chercher un truc un peu lourd, vous voyez, hein, j'ai récupéré ça. Je peux te dire que tu vas... Oh le flop. C'était... Oh là là, j'ai honte. Oh, je disais, tu vas bouger, moi, je te le dis. Non? Ok. Bah, finalement, tu vas peut-être pas bouger, je... Vas-y, montre-moi ta force, mon gars. Ok. Non, mais attends, mais visiblement, mais c'est... Ok, mais c'est bel et bien un faux mur, hein, ça j'en suis sûr. Hein. Bon ben les gars, malheureusement je n'arrive pas à l'eau. Ah, quoique. Attends, on va peut-être refaire une partie là. Attends, j'arrive. J'ai l'impression de bosser dans le bâtiment, les gars. Tu sais, j'ai l'impression d'être le petit jeune là. Qui essaie de
péter un mur. Mais c'était incroyable. Bah, faudra dire aux ingénieurs que c'est de la bonne qualité le bordel. Hein. J'abandonne. Alors essaye de casser la glace. Pourquoi la casser quand je peux attraper le truc à travers, tu vois? Bon, c'était pas le but. Voilà! Ah, celle-ci je peux pas. Inside destructible. Ah non, indestructible, je suis bête. Oh! Mais c'est un tonneau ça, dites donc! Merde! Oh là! Pas là pour déconner, nous! Pas à quoi ça sert ça? Ah! Essaye de péter les tonneaux. Pas de problème. Ah, avec les petits marteaux comme ça. Pas de soucis, pas de soucis. Huch! Digne d'un assassin dans World of Warcraft. Huch! C'est nul à chier, je préfère la bonne grosse masse de bonhomme. On dirait les mecs qui tentent un record du monde. C'est parti, record du monde du nombre de brisasses de planches à la masse. Top départ chrono, c'est parti. Et une, deux, trois, quatre. Record battu. Putain, le mec il a une force surhumaine pour relancer une masse comme ça, je te dis qu'il il est solide de type. Ok, là je peux partir. Très bien, ok, j'ai compris. Donc là, ok, je vois ce qu'ils veulent. Mais du coup, ça, il vaut peut-être mieux le laisser là-bas, non? Ah, ça me paraît très bien là. Allez, c'est bon, putain, j'ai failli me casser la gueule pour de vrai. Ah là, on n'est pas des fillettes, nous. Alors, ça doit être plus tard. Enfin, je peux pas escalader ça, j'imagine. Non, ça aurait été trop beau. Oh, espèce de nulos. Pourquoi tu tombes? Mais qu'est-ce que... Ah, ça a repris de télé, ouais. J'ai l'impression de faire du parcours, les gars. Ok, ça va, c'est pas si dur. Ok, bah j'avais bien dit qu'il fallait le laisser là, ça. J'ai bien fait, quoi. Votre taille peut être calibrée, oui. Bah ma taille, ils l'ont bien calibrée, je l'ai vu. Vous voulez la preuve? Paf, 1m69. Nickel, bien calibrée la taille. Bon, les sauts, c'est réussi. Alors, qu'est-ce que... Ah. Ah, ok. J'ai compris. Mais ça, pour bloquer le truc, comme ça remonte pas. Maintenant, il faut retaper le parcours. Paf. J'ai gagné l'épreuve du Ninja Warrior, les gars. Encore ça. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui doit tomber là, ou alors je sais pas, non, c'est peut-être pas. Ah, mais c'est une sauvegarde! Ouais, c'est des checkpoints, ok. Ah, d'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Peut-être je suis lent la détente. Hein. Excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Mais je veux pas que tu te diriges. Par contre, la façon de se diriger, elle est chelou. Ok. Oh! Qu'est-ce que. Attends, il y a des boutons là-haut. Waouh, attends, qu'est-ce qui. Eh ben les gars, on va escalader des trucs, hein. On va. Ouais, ça va, on escalade facilement. Alors, on va se tenir sur le bout du doigt. Et... Merde, il y a un problème de taille, là. Peut-être falloir que je monte carrément de... Quoique, est-ce que si je m'éjecte avec la force, là... On va essayer de le faire bouger un peu. Ah oui, c'est vrai que pour sauter, c'est pas la... Ah, je suis trop habitué à Blade, les gars. J'essaie de sauter avec les mots. Ouh, vous avez une belle paire de petites fesses, monsieur. je l'attrape bien par... Ah, bref, on va arrêter ça, parce que sinon la vidéo va pas être sur YouTube, mais sur un autre site. Ok, alors là, est-ce que je peux sprinter et sauter? J'ai appuyé là? Oui, ah oui, d'accord, ok. Ah oui, ok, effectivement, j'ai bien appuyé. La question ne se pose plus. Hop là, merci monsieur pour vos fesses un peu musclées. Ça me permet de m'attraper facilement, vous voyez. Non, quelle arnaque. Ah, bon, on va refaire la même. Parfait. Bah, nickel ça. J'avais même pas fait gaffe qu'il en restait un ici. Voilà, j'ai réussi à le décrocher le... Le body. Et maintenant, qu'est-ce que je dois en faire? Qu'est-ce que je dois faire de mon cher... Oula. Boum. Bon, allez, je l'embarque avec moi. Hein. Ah, c'est bon, ça va passer, les gars. Attends, excuse-moi. Je te prends un peu la tête. Enfin, pas dans le sens... On s'est compris, quoi, tu vois. Voilà. Je suis vraiment en train de trimballer une statue, là. Qu'est-ce qu'il nous montre, lui? Ouais, c'est le menu, ok. Ah mais non, mais c'était pour dire qu'il voulait nous montrer les tutos. Ok, d'accord, en fait je le trimballe pour rien, bon c'est pas grave. Allez, viens avec moi, on est potes toi et moi maintenant. Body slot. Ah. Ok, c'est juste pour montrer que...
qu'on peut attraper ce qu'on a dans le dos. Ok, on a plusieurs body slots. Ok, d'accord. Ok. Ouais, tu peux éteindre la télé, mon ref. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, bon, j'avoue que j'ai pas envie de m'embêter à lire. Allez, hop. Continuons la visite. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est sympathique, ça, j'aime bien. Mince. Ok, pour les balles, comment on éjecte? Il faut le prendre comme en vrai. Ouais, nickel. Hop, ça dégage. Ah, j'ai pas d'autre chargeur sur moi. Ok, donc ça, on le range. Ça aussi. On revient là. Non. Ok, les poches, elles sont hautes, en fait, pour les armes. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, il nous indique quoi, ouais, munitions. Attends, mais du coup, ça s'est rangé, mais visiblement, comme il n'y a pas de balles, je peux pas le récupérer. Ok. Ça, c'est quand on joue assis. Assis, moi, je suis debout, regarde, je peux faire des squats, regarde, admire. Hop là, tu peux faire ça quand t'es assis? Eh ben non, tu peux pas. En fait, si tu pourrais, avec la commande de la manette, tu ferais comme ça, regarde. Hop là. Alors, ça fait le même effet, en fait. Non, on voit quand je la fais pour de vrai, c'est moins fluide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Projectile, nanana. Oh, des munitions! Ah, d'accord, ok. Hop, ça fait des photos. Alors, balance des objets, ce que tu veux, hein, dans la poubelle. Pour bloquer ces objets dans le... Ok, en sandbox, d'accord. Donc je veux ça. Je veux... ça. Je veux tout ça. Et je veux un petit bonhomme et un cube. Ok, ouais, je veux aussi, ouais. Y'a rien d'autre? Non. Ouvrir avec attention. Truc rare, mais tu vas l'attraper, ce pied de biche, oui. Alors, quel est ce truc rare? Ok, ok, bon, ça... De toute façon, c'est rare, donc c'est forcément bien, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça coûte de l'argent. Et j'ai pas, moi, un argent? J'ai pas de sous, moi, je suis pauvre, les gars. Après, c'est que les mêmes trucs. Ah non, petite statuette, ouais, j'en veux une, moi. Comment... Oh. Attends, les sous, c'est... Ah, c'est trop bien. Je me suis bloqué la main. Ouais, ça me rend la monnaie. Putain, ça rend la monnaie et tout, quoi. Ouais, il queen. Attends. Allez, à la poubelle.